Théâtre de l'Odéon occupé. 300 lieux culturels occupés en France, mars 2021. La cave appelle. Au début, nous avons tourné le samedi après-midi autour des ronds-points. Et nos corps, débarrassés des contraintes de la consommation, ont bloqué les entrées des salles de cinéma multiplex. Ensuite est apparu le virus Covid. Et les dirigeants ont chaque jour craché leur venin culpabilisant afin de dissimuler la vacuité de leurs fonctions. Alors, maintenant, sous leurs barrières de sécurité et entre les piliers de leurs caméras de vidéosurveillance, la porte de la cave est grande ouverte. L'obscurité devient lumière. L'écran de cinéma suspendu dans la cave se fait interstice entre le dehors confiné et la lueur réflexive de nos espaces de réflexion. Des sous-groupes de moins de 10 spectateurs assistent à la projection de nos films dans les caves, débarrassés de la compétition des prix du mot du président socialique. Faut que je réponde à des questions? Non, je pense qu'il n'y a pas de questions, t'as tout dit. Bon. Faut que je réponde à des questions? Bon. Bon, ben, j'ai fini. C'était bien. Que pensez-vous de la nouvelle annonce du gouvernement par rapport à la crise sanitaire? Ben, il n'y a pas d'annonce, non, laquelle? Non, mais je sais pas, je suis périodique. Il y a avant-hier? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais je suis passé avec Ironie, mais ils ont dit qu'il y avait des écoles, non, c'est toi. Je ne sais pas que j'en pense rien. Mais...